Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais nickel. Donc les gars, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager une stratégie qui est juste incroyable au fait. Donc là, nous allons utiliser deux applications ensemble et vous allez voir que la stratégie que nous allons adopter, c'est une stratégie qui est très très sûre. Je ne vais pas te dire que c'est du 100%, mais si tu suis très bien les instructions, c'est une stratégie qui va aller très vite pour toi et tu vas pouvoir générer énormément d'argent au pari sportif, ok? Donc là, nous allons utiliser deux applications comme je le disais, donc il faut être attentif. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux profiter de la stratégie de A à Z, ok? Donc là, si ce n'est pas encore fait, prends le temps de t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ici, je te partage régulièrement des failles et des astuces sur OneisBet, 888 Stars, BetWinner. Bref, ici, je t'apprends à gagner de l'argent au pari sportif pour de vrai. Donc si c'est une thématique qui t'intéresse, tout ce que tu as à faire, c'est de t'abonner et activer la cloche de notification. Là, je ne vais pas trop parler. Ici, ce que je vais faire, je vais aller directement sur SofaScore. SofaScore, c'est la première application que nous allons utiliser pour pouvoir adopter la stratégie. La deuxième application, celle-là va nous permettre de faire la stratégie, mais de manière automatique. Donc, je vais tout te montrer dans cette vidéo de A à Z. Pense à liker la vidéo et partager si cette vidéo atteint également les 1000 vues et les 500 likes. Donc, j'ai choisi au hasard des personnes dans le canal Telegram qui vont recevoir des dépôts Wave ou MTN Mobile Money. Donc, si ça t'intéresse, tout ce que tu as à faire, c'est de liker et partager la vidéo. Donc, c'est gratuit. Donc, ici, ce que nous allons faire, on va aller directement dans la section menu. Et une fois que je suis dans la section menu, là, je vais cliquer sur « Code changeante ». Après avoir cliqué sur « Code changeante », donc là, je vais juste venir ici. Là, je vais cliquer sur « Code tendance ». Ensuite, ici, je vais voir quelque chose. Donc ici, SofaScore nous donne tout, vraiment, il nous donne absolument tout pour pouvoir valider des pronostics. Donc là, ici, nous allons nous intéresser au score qui est de 50% par exemple ce match là. Donc ici nous allons nous intéresser à 50% seulement, on va pas prendre plus, nous n'allons pas prendre moins. Ici également on a 50%, ok? Donc ici par exemple nous allons prendre ce match là, le match c'est Italie série C, donc on va cliquer sur ce match, ok? Après avoir cliqué sur ce match, ici ce que je vais faire, je vais directement aller sur match. Ici nous allons voir les statistiques des deux différentes équipes. C'est très important, faites des analyses avant de pouvoir placer des pronostics, ok? Donc là nous allons voir quelque chose d'abord, on va aller sur leur face à face. Et les deux équipes ont eu à jouer 4 matchs. Ils ont fait un match nul. Novara a gagné 3 matchs. Donc l'équipe 1 n'a pas gagné pour le moment face à l'autre équipe. Donc ici, vous voyez que la probabilité de victoire de l'équipe 1, c'est de 50%. Donc ici, nous n'allons pas nous limiter là. On va aller directement ici. On va voir leurs matchs précédents et nous allons ensemble voir les statistiques des différents matchs. Donc là, c'est le dernier match. On va voir quelque chose d'abord avant de venir placer notre pronostic. Donc là, vous voyez qu'il y a 2 et puis 3. Donc il y avait 5 buts dans le match. Donc là, on va cliquer sur statistiques. Après avoir cliqué sur statistique, là nous allons voir quelque chose. Total des tirs, là il y a 5 tirs dans le match. Ok, coup franc également, il y avait 5 coups francs. Donc là on va retenir le nombre de buts. Ok, et ici nous allons venir sur voilà ce match également. Donc là il y avait jusqu'à 7 buts dans le match. Ici vous voyez qu'il y avait 7 buts dans le match et avec 0 penalty. Donc tous ces buts ont été marqués par tir. Donc ce qu'on va faire, nous avons notre premier événement que nous pouvons sélectionner sur notre bookmaker. Donc là nous allons voir le nom du championnat. Le championnat c'est, nous allons voir d'abord, donc c'est en Italie série C. Donc ce que je vais faire, je vais aller sur 888 Stars. Ok, je t'ai laissé tous les liens dans la description de la vidéo. Le code promo c'est 24AB. C'est ce code promo là qui me permet de générer autant d'argent sur les différents bookmakers. Donc là, ce que je vais faire, je vais d'abord cliquer sur football. Après avoir cliqué sur football, là je viens d'appareil sportif. Là, je vais rafraîchir un peu la page. Je viens sur 24 heures. Ok, une fois que j'ai fait cela, là je viens sur. Je vais voir le nom du championnat. Ok, c'était Italie série C. Ok, je viens sur Italie. Là, je vais juste écrire Italie. Ok, je clique dessus. Et là, c'était série C. Donc là, je viens ici. Ok, nous avons 3 séries C ici. Donc, je vais voir c'est quel groupe. Ok, là, c'était série C. Gironde A. Donc, je pense que c'est groupe A. Donc là, je vais cliquer sur ce championnat-là. Ok. Et là, nous allons regarder le nom de l'équipe. Là, voilà l'équipe qui est juste ici. Voici l'équipe ici. Novara Calcio. Et puis Fiorenzuola, voilà. Là, je vais cliquer sur le match.
Après avoir cliqué sur le match, donc nous avons déjà vu les statistiques. Donc ici, ce qu'on va faire, on a deux options. Soit nous allons miser sur victoire ou nul de l'équipe 2, parce qu'on a vu qu'ils ont eu à jouer 4 matchs et l'équipe 2 a gagné 3 matchs, mais la première équipe n'a pas gagné et ils ont fait un match nul. Donc ici, soit on mise sur la victoire ou nul de l'équipe 2, soit on va juste venir sur total. On va cliquer sur total et on va prendre au total plus de 1,5 dans le match, ok? Et là, c'est une très belle cote. Donc, on va juste maintenir cette cote-là, ok? Donc, une fois qu'on fait cela, là, vous allez faire exactement la même chose pour pouvoir sélectionner un deuxième événement. Donc, pour ne pas que la vidéo soit très longue, je vais mettre la vidéo sur pause et puis je vais aller choisir un autre événement. Ok, là j'ai choisi un autre événement et pour le deuxième événement, j'ai pris l'option 12, c'est-à-dire une équipe va gagner dans le match. Et ici, la cote globale, c'est de cote 1,66. Donc avec ce genre de pronostic-là, tu peux placer ton pari sans problème. Ici, les mises sont limitées. Je peux placer que 110 000 francs. Donc là, je vais placer 100 000 francs vite fait. Ok, là, je vais cliquer sur placer un pari. Avec ce genre de pari, les paris sont, les mises sont limitées. Donc ça, c'était la première option pour faire des pronostics avec SofaScore. Donc là, je vais vous partager l'application qui va vous permettre de faire cela en automatique. Donc directement, allons sur l'application. Ok, donc ici, une fois sur l'application, là, je vais cliquer sur Go to AutoBet. Et là, nous allons patienter. Ça va nous rediriger sur cette page. Et ici, pour que notre coupon soit sûr à 90%, ce que je vais faire, je vais juste glisser et je vais la mettre à cote 1,30 maximum, ok? Et je vais maintenir le début, cote 1,1, là c'est nickel. Donc ici, ce que je vais faire, je vais venir choisir ligue, je vais sélectionner tout, et ensuite je vais cliquer sur croire. Donc là, j'aurai une petite pub à visionner, ok? Après avoir visionné la pub, là je vais cliquer sur la petite croix qui est juste ici, ok. Et ici, pour que notre coupon soit très très fiable, ce que nous allons faire, on va maintenir le nombre d'événements. On va prendre 3 événements. Donc ici, où tu peux mettre à 2 événements, là je vais mettre sur 3 événements. Et, les prédictions, je vais cliquer sur all. Et ici, nous allons choisir soit 1 ou nul, soit 2 ou nul, soit 12, c'est-à-dire une équipe va gagner. Et on va prendre plus de 1,5 et plus de 2,5. Et ensuite, on va cliquer sur la petite croix. Ok, une fois qu'on a fait cela, là, je vais juste cliquer sur Create Ticket. Donc là, ça va automatiquement générer un ticket. Et voici la cote globale. La cote globale de ce ticket, c'est du cote 1,89. Donc, tu peux aller miser très, très facilement. Et tu vois que ici, la probabilité de cet événement, c'est 78%. Ici, c'est 74%. Ici, c'est 91%. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour pouvoir générer des pronostics fiables. Donc, j'espère que la vidéo te sera utile. Si c'est le cas, n'oublie pas de me lâcher un like. Partage la vidéo, ça m'encourage énormément. Et quant à moi, je te laisse et à ciao pour une toute nouvelle vidéo.